Hello, friends. This is Pastor Chris Jones in Cote d'Ivoire coming to you from the prefecture of the region of Go. Our great prefect is here today with us. His name is Lansina Fofano. He's going to help us celebrate with all the girls that graduated the first part of the course. Noelle's entire team is here with all of the girls, and we're going to have a great time celebrating because they finished the first session of their training. So God bless you. Thank you for being here. Everything is in French. That's why I'm giving you this little intro so that you won't be confused. Please watch the video anyways, even if you don't speak French, because you'll be blessed when you do. As always, we love you and we thank you for all your prayers and your support through the years. Remember, you can visit us at gospelforafrica.org. That's gospelforafrica.org to see all the latest updates and sign up for our free newsletter. Bonjour, je suis le pasteur Badia Nado Job Robert de la mission Gospel for Africa, qui signifie l'évangile pour l'Afrique. Nous sommes une mission chrétienne évangélique qui a pour but d'annoncer la parole de Dieu, de prêcher l'évangile du salut et de faire des disciples, mais aussi d'implanter des églises. Nous existons depuis 2007 sur le territoire ivoirien et nous œuvrons aussi dans le social. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là aujourd'hui pour aider les jeunes filles, mères et enceintes en situation précaire. Mais en plus de cela, nous aidons les veuves et les orphelins. Donc aujourd'hui, c'est pour aider les jeunes filles, mères et enceintes en situation précaire, célibataires en situation précaire. À l'occasion de cette cérémonie de remise de dons aux jeunes filles, mères en situation précaire, organisée par la mission Gospel for Africa, vous adressez des solennelles salutations et félicitations pour votre présence massive, cette présence qui traduit l'intérêt que vous accordez à la cérémonie. Je voudrais de façon particulière saluer et traduire toute ma reconnaissance et mon infinie gratitude à la mission Gospel for Africa qui a bien voulu m'associer d'espace à cette cérémonie de portée sociale. En le faisant, vous allez vous associer le gouvernement que je représente. Et chacun des ministres, je voudrais vous saluer et vous remercier. Vous assurez de notre disponibilité à vous accompagner en tant que représentant du gouvernement pour faire en sorte que votre action puisse impacter le public de nos amis. Je ne pas les jeunes filles à vivre une vie de désobéissance à Dieu et aux parents. On le fait pour dire à la jeune fille, c'est vrai que tu as fait une erreur, mais ce n'est pas la fin de ta vie. Tu peux continuer, tu peux devenir ce que tu voulais devenir, tu peux te prendre en charge. Et c'est dans ce domaine-là que nous venons pour tenir la main de la jeune fille, pour lui dire, continue ton chemin, retourne à l'école. Et c'est pour cela que nous aidons les jeunes filles. Mais ce n'est pas pour les encourager à vivre comme ça. Je voudrais aussi... Ce don excellent qui est Jésus-Christ. Chacun de nous veut vivre longtemps, mais Dieu nous donne les clés de la vie éternelle au travers de Jésus-Christ. Mais aussi, nous intervenons aussi dans le domaine des jeunes filles, mères et célibataires, enceintes, en situation précaire, pour les encourager à se prendre en charge et aussi à suivre Dieu et à changer de vie, pour ne pas qu'elles se retrouvent avec 3-4 enfants, sans mari et dans une pauvreté. Et nous savons qu'avec l'aide du Seigneur, avec l'aide de Dieu, leur vie peut changer.